Coucou. Je me rends compte que je suis très mal coiffée. Bon, bref, aujourd'hui, réveil catastrophique. Je n'ai pas mis mon réveil, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Hier soir, je me suis couchée épuisée, mais vraiment épuisée de mon week-end. Et je me suis tellement endormie vite que j'ai pas mis de réveil pour ce matin. Je me suis réveillée à 8h30. C'est l'heure où Soujay commence l'école. Et c'est horrible, mais c'est horrible d'ouvrir les yeux, de voir le réveil. En plus, pendant un instant, je me suis dit, ah mais oui, mais c'est le changement d'heure, c'est pas cette heure-là. Après, je me suis dit, mais non, mon iPhone, il s'est mis à l'heure... À l'heure d'été, comme il fallait. Et donc là, avoir un réveil où en une demi-seconde, t'es debout dans ton lit, oh, c'est horrible de devoir réveiller les gars en panique. Je déteste ça. Ça m'arrive vraiment pas souvent, mais je déteste ça. J'ai avalé d'une traite mon café. Ça te met dans un mood. Ah, je pense qu'il va me falloir dans la matinée, hein, je vais me remettre dedans. En plus, aujourd'hui, j'ai pas de temps à perdre. J'ai du ménage, forcément, comme d'habitude à faire. Mais j'ai aussi un rendez-vous cet après-midi et j'ai beaucoup de travail à faire à la maison sur l'ordi. Donc vraiment, il faut que je me réveille et que je me mette un coup de pied au derrière. Il faut absolument que je fasse tout ça. Il faut aussi que j'annonce sur Instagram la gagnante de l'aspirateur. J'ai fait le tirage hier soir et j'ai une tonne d'administratifs à faire. J'ai plein de mails à gérer, à traiter, à répondre. Enfin bref, il faut vraiment que je m'y mette. C'est parti. Allez, on se motive, c'est parti. Bon, moi, il fait beau, il y a du soleil, c'est déjà ça. Si en plus, il pleuvait, ce serait pire que tout. Bon, allez. Je commence par ranger tout ce qu'il y a sur le filet parce que le week-end souvent on s'installe là-haut pour regarder des films ou des dessins animés. Et du coup le lundi matin il y a bien souvent plein de polaires, plein d'oreillers, donc il faut ranger tout ça sinon ça fait très bordélique. Même quand on est d'en bas on voit tout de suite la vision du filet avec plein de bazar dessus, donc je plie et je range. J'avais pas prévu de faire les poussières, mais là, avec le soleil qui donnait sur les rambardes, c'était horrible. Ça a mis en évidence toute la poussière. Et puis sur le noir, ça pardonne pas, ça se voit tout de suite. Donc, il était grand temps que je passe un petit coup de chiffonnette sur toutes les rambardes. Et je les ai nettoyées juste avec du produit à vitre. Et ensuite, je passe l'aspirateur. Ça, c'est un aspirateur qui ne reste que à l'étage tout le temps parce que vous avez vu la tête de mes escaliers. J'ai pas envie de me taper à me promener un aspirateur, c'est assez dangereux. Donc celui-ci, il reste en haut tout le temps. C'est le Procénic P12 et pour les enfants, il est super parce que c'est un aspirateur qui est hyper léger et super maniable. Donc vraiment, même mon fils, même Soujay qui a 9 ans et qui a un tout petit gabarit, eh ben, il le manipule super bien. Il passe l'aspirateur régulièrement dans sa chambre parce que du coup, il est facile d'accès et que même lui qui est tout petit gabarit le manipule vraiment très bien. Il a 4 vitesses de puissance et vraiment, quand vous êtes sur la puissance maximum, vous pouvez vraiment passer sur les tapis, les moquettes. Il a vraiment une grosse force d'aspiration. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous me l'aviez déjà demandé. Je vous le remets en barre d'infos parce que là, j'ai vu que pour le printemps, il faisait des promos et il passe à 179 €. C'est vraiment pas cher pour un aspirateur balai de cette qualité-là. Et c'est parti, je m'attaque à la salle de bain et je commence par la paroi de douche avec le Silit Bang en mousse.
Et voilà, une belle douche toute propre, en espérant qu'elle le reste le plus longtemps possible. Alors par contre, en Bretagne, un des points positifs, c'est que l'eau est vraiment très peu calcaire. Ça se dépose vraiment pas très rapidement. Quand je vois certaines régions, le fait de prendre une seule douche, tout se redépose sur la paroi, il faut vraiment regratter à chaque fois. Nous, on est plutôt tranquille de ce côté-là. Non mais vous y croyez, j'ai récupéré toutes ces serviettes de bain dans la salle de bain et dans les chambres des enfants. Non mais jamais j'aurais pensé qu'il y en avait autant à traîner.